On avait vraiment, vraiment, vraiment cru aux 1000 gemmes. Donc, j'ai préparé la vidéo. Donc, pour faire plaisir aux 730 personnes qui ont 1000 gemmes, je la mets quand même sur YouTube aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti pour le deuxième volet de la trilogie rattrapage des travaux de Rénoventure. La mission de ce matin, c'est de venir nettoyer parce que du coup, depuis qu'on a coulé les fondations, il s'est écoulé plusieurs semaines où on n'a pas pu venir. Et bah, comme partout, il y a eu énormément de pluie. Il y a de la terre en fait qui est tombée un petit peu. On pensait franchement qu'il y en aurait plus que ça. Puis on va installer le premier rang de moellons. C'est parti! Le réveil est un petit peu humide par ici, mais je vous montre, hier on a eu le temps de finir, on a fini assez tard, mais on a eu le temps du coup de poser tout le premier rang. Et là, comme après on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir continuer de monter la suite et qu'on ait peur qu'il y ait encore un peu de la terre qui tombe pour pas qu'elle aille dans les moellons, on est en train de leur faire des petits chapeaux avec les trous pour faire passer les tiges. Et nous avons bien fait de faire ces petits chapeaux parce que certes c'est pas très marrant de percer tous ces trous dans ces planches, mais ça l'aurait été encore moins de vider tous les parpaings de la terre avec aspirateur et tout ce qu'on veut. Voilà, on est vraiment content d'avoir pensé à faire ça. Je crois qu'Anaïs a besoin d'un petit gemme pour l'encourager.
Et une fois les 5 premiers rangs montés, on remet des barres en fer pour pouvoir monter les 6 prochains. Ah parfait là. J'ai atténué parce que ça a baissé avec le poids du bouton. Ah là. Ouais. C'est bon. Ah ouais. J'ai rempli les pistes en haut pareil qu'à côté là. On va voir, là, déjà on est un peu partout dans l'arme. On va mettre encore. Ouais, là, on y est arrivé, on va en mettre un peu là. Là. Nous avons décidé de faire venir une toupie avec une pompe, car au total, il y avait 8 mètres cubes de béton à couler, donc autant que pour les fondations. Et clairement, vu comment ça a été compliqué avec les brouettes, on s'est très mal vu le faire avec des seaux pour le mur complet. Au final, le remplissage du mur aura pris 20 minutes. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, pensez bien à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et c'est vraiment super important pour la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la semaine prochaine !